À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Kidnapping, une nouvelle radiophonique d'Yvan Noé, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Jacqueline Rivière, Jean-Claude Michel et François Vibert de la Comédie-Française dans Kidnapping, une nouvelle radiophonique d'Yvan Noé. Voilà, madame, la vaisselle est rangée. Vous pouvez aller vous coucher, Catherine. J'aurais voulu descendre jusqu'au pont Magnan, madame. Ah, on y danse? Oui, madame. Mais si vous me l'aviez dit avant dîner, monsieur vous aurait descendu en voiture. Justement, il est parti de bonne heure. C'est pas la peine. Il y a à peine 20 minutes à pied. Oui, faites attention en remontant. C'est désert par ici. Nous ne sommes pas à Nice et on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Que madame s'inquiète pas, mon cousin me reconduira. Il a un scooter. Ah. Mais quoi? Ça fait rien, madame, de rester seule. Monsieur rentrera peut-être tard. Ah, sûrement. Il est allé à la nuit des fleurs de Juan Lépin. Pourquoi madame n'y est-elle pas allée? J'aurais gardé la petite. Non, Catherine, je suis un peu fatiguée, je préfère rester. Et puis, vous avez assez à faire pendant les vacances de Joséphine. Et puis, je veux finir le petit bikini que j'ai coupé pour Martine. Parce qu'elle sera mignonne. Madame est si adroite. Oh, vous savez, une enfant, c'est facile à habiller. Oh, surtout elle. Elle est si jolie et gentille, raisonnable. On lui donnerait 4 ans. Oui, mais elle n'en a que 3. Mais dis donc, Catherine, si vous voulez danser, allez, sauvez-vous. Merci, madame. Laissez ouverte la porte du couloir. Et en passant, regardez dans sa chambre si la petite ne s'est pas découverte. Oui, madame. La 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 la. Quoi? Mais quoi la petite? Elle est pas là. Mais vous êtes folle! Martine! 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 Son petit lieu des fêtes! Martine! Martine, où es-tu? Réponds! Martine! Mais voyons, Martine, c'est pas l'heure de jouer! La fenêtre est ouverte, madame! Martine! Martine! Mais Martine, c'est pas possible! On l'a volé. Non! Non, c'est pas possible! Non! Martine! 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 Madame! Il y a son petit drap sur la pelouse! Oh! Il faut faire quelque chose! Il faut... Oh, ma petite fille! Ma petite fille! Ma petite fille! Et monsieur qui parle là? Mais vous voulez vous le rejoindre dans une pareille fête? Oh, c'est effrayant! La police! Il faut appeler la police! Je l'appelle, madame! Non, moi! Allô, la police? Monsieur, monsieur, ma petite fille a été enlevée, venez vite. Oh, il faut la retrouver. Quoi? 3 ans. Madame Pastor, avenue Pogliani à Fabron. Bon, merci. Oui, oui, je suis seule avec la femme de chambre. Bien, nous ne touchons à rien. Oh, vite, vite! Montrez-moi la chambre de l'enfant, madame. Par ici, monsieur le commissaire. Charlie. Commissaire. Occupe-toi de l'extérieur. Mesure la hauteur de l'appui de la fenêtre au sol. Vois les traces. Sol, appui de la fenêtre, chemin. Madame. Oui. Ce chemin au fond du jardin. Il rejoint la rue qui passe devant la villa à 100 mètres. C'est sûrement par là qu'ils se sont enfuis. Et pourquoi dites-vous « ils » au pluriel? Je ne sais pas, je pense qu'ils sont plusieurs. À première vue... Il est plus probable que nous avons affaire à un homme seul. Oui, s'ils avaient été 2, le second aurait remarqué que le premier perdait le drap sur la pelouse. Peut-être.
Qu'est-ce qui a disparu de la literie? Une couverture bleue en laine. C'est tout? Pas de vêtements, chaussures? Non, rien. Et comment a été habillé l'enfant? En pyjama. Oh. Oh, je ne peux plus, ma petite fille, ma petite. Oh, c'est ma faute. Si... Mais non, madame, non, ce n'est la faute de personne autre que de l'individu qui a monté ce sale coup. Non, vous ne laissez pas aller. Nous avons besoin de vous. Vous la retrouverez vite. Ah, nous ferons tout ce qu'il faudra pour cela. Enfin, est-ce que dès maintenant... Des barrages ont été établis sur toutes les routes environnant Nice. 5 minutes après votre coup de téléphone. Toute personne ou couple accompagnée d'une petite fille de 3 à 4 ans est interpellée. Ne vous désespérez pas, madame. L'enfant n'est pas en danger. Vous croyez? Le ou les ravisseurs vont très certainement chercher à vous extorquer une somme plus ou moins considérable. Aussi, pour le moment... Oh, je paierai. Ah oui, mais croyez-moi. Avant de payer, prévenez-moi. Et ne faites rien que d'accord avec moi. Je vous le promets. Il est probable que vous recevrez prochainement un message. Oh mon Dieu, c'est affreux. On lit ces choses-là dans les journaux. Et ça vous arrive. Aviez-vous des ennemis, vous ou votre mari? Non, j'y ai déjà réfléchi. Nous habitons Marseille. Nous avons fait construire cette villa où nous venons nous reposer 2 ou 3 fois par an. Ici, nous sommes peu connus. Nous ne fréquentons personne. Oui, mais on parle. Vos domestiques, même sans penser à mal. Évidemment, mais je... Enfin, c'est possible. Il y a la jeune fille qui m'a ouvert la porte. Oui, Catherine. Et puis Joséphine et Félix, un ménage que nous avons depuis 5 ou 6 ans. Ils sont savoyards, alors je les envoie 15 jours chez eux quand nous sommes ici. Ils doivent revenir lundi. Voulez-vous m'inscrire là leur nom et adresse? Oui. Oui, on vérifiera s'ils sont toujours en Savoie. Oh, vous pensez, Joséphine, c'est impossible. Mais tout est possible, madame Mélars. Et tout, en tout cas, doit être vérifié. Votre situation de fortune peut-elle faire naître l'idée d'une rançon? Évidemment, nous sommes... Enfin, Henri, mon mari, dirige les usines que m'a laissées mon père. C'est une affaire très importante à Marseille. Quelle valeur environ? Oh, 300, 400 millions, je ne sais pas au juste. Vous avez des bijoux? Oui. Ma mère avait la passion des pierres, elle m'en a laissé de très belles. Vous les portez souvent? Oui. Beaucoup de personnes ont pu les voir? Ah oui. Même ici? Oui. C'est atroce de penser que quelqu'un a pu inventer une chose aussi cruelle pour avoir mes bijoux, mais je les aurais donnés volontiers. En êtes-vous sûr? Mais oui, que voulez-vous dire? Que vous n'auriez eu aucune raison de donner quoi que ce soit de votre fortune à quelqu'un qui n'aurait pas enlevé votre enfant. C'est vrai. À quelle heure votre mari doit-il rentrer? Je ne sais pas, il a dû rejoindre à Juan des amis dans ces cas-là. Où est le téléphone? Par ici. Allô? Allô? Le jury est sur le point de terminer ses délibérations. Nous allons donc dans quelques instants vous communiquer le résultat du concours des voitures fleuries. Les présentatrices des voitures sont priées de se rendre dans l'enceinte réservée au jury. Allô? Allô? On demande Monsieur Henri Pastor de Marseille, actuellement villégiature à Nice. Monsieur Henri Pastor est prié de se rendre au commissariat central pour une communication très urgente. Allô? Allô? Voici le palmarès du concours des voitures fleuries. Hors concours, Gerbe d'Iris, numéro 6, présenté par Madame et Mademoiselle Gurdalian. Ce n'est pas possible, commissaire, que nous ne puissions rien faire d'autre qu'attendre. Oh, il est près de minuit déjà, je n'en peux plus. J'en peux plus, c'est tellement abominable. Vous devriez aller vous reposer, madame. Monsieur Pastor, insistez auprès de madame. Vous me reposez quand je ne sais même pas ce qu'ils ont fait de Martine, je ne peux même pas rester assise. Mais vous agitez ne rime à rien qu'à vous épuiser. Et vous pouvez avoir besoin de vos forces pendant quelque temps encore. Oui, le commissaire a raison, Marc. Est-ce que vous voulez dire que cela peut durer plusieurs jours? Nous n'en savons rien. Mais que fait la police? Ce qu'elle peut, monsieur Pastor. Enfin, avec les moyens dont vous disposez, vous devez pouvoir... Mais n'oubliez pas que vous êtes sorti vers 20h. L'absence de l'enfant n'a été constatée que vers 21h30. Martine a pu être enlevée à n'importe quel instant au cours de 7h30.
Si c'est au début, le criminel a sur nous 1h15 d'avance. De traces, il a trop bien préparé son coup pour en avoir laissé. Il n'y a même pas d'empreinte, ni autour du lit, ni autour de la fenêtre. Personne dans le voisinage n'a remarqué quoi que ce soit. Mais alors, comment retrouverez-vous sa trace? Les criminels sont des hommes, madame. Ils ont les défauts des hommes. Ils parlent. Ils ont des amis aussi, des ennemis. Et la police a des oreilles partout. Partout même où on ne l'attend pas. Oh, Gilou, arrête ça! On peut même plus boire tranquille. Ouais, il est là pour qu'on le fasse jouer. Si monsieur l'a mis en marche, c'est son droit. Ah bon, ça va, j'irai boire ailleurs. Oui, bah c'est ça, va boire ailleurs. Monsieur n'est pas un mélomane, ça. Oh, vous fichez-moi la paix, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Alors, justement, ça me regarde. C'est moi qui ai envie de musique. Et j'ai envie de musique parce que je suis gay, c'est que... C'est un anniversaire? Non, mais c'est un jour. Je sais plus tout à fait pourquoi, mais c'est un bon jour. C'est tout ce que je peux dire. T'as fait fortune? Fortune? Comment t'as deviné? Comme ça. Un coup, une affaire que je mijote depuis longtemps. Maintenant, c'est dans la poche. Et j'aurais même plus besoin de venir dans ta tôle où on m'empêche de faire de la musique. J'aurais un bar chez moi avec toutes les bouteilles. Oui, comme ici, un pick-up avec tous les disques que je voudrais. Et la télévision. Et même si je veux une Packard, oui, monsieur, une Packard, oui. Eh ben, vous n'avez pas besoin de me regarder comme ça, vous. Je suis pas sous, moi. Un peu gay, quoi, mais il y a de quoi être gay, il y a de quoi... Montrez-moi vos papiers. Mais quoi? Montrez-moi vos papiers. Qu'est-ce que vous voulez en faire de mes papiers? Police. Police? J'ai rien fait, moi, de quoi vous m'accusez. Vous n'avez pas le droit de... Allez, venez avec moi. Mais où ça? Au commissariat. C'est pas légal, monsieur, si. Mais pas... Ça s'appelle une vérification d'identité. Allez, où? Comment, allez, où? Allez, où? Deux heures du matin. Peut-elle être maintenant, oui, ma petite fille? Essaie de dormir, Marthe, je t'en prie. Oh, c'est ma faute, j'aurais dû la surveiller davantage. Alors c'est la mienne aussi, je n'aurais pas dû partir. Oh, je suis bien punie, Henri. Je n'ai pas été pour toi. Ne te torture pas, ma pauvre Marthe. Tout le mal est venu de moi. Si je ne m'étais pas laissé entraîner à jouer, jamais il n'y aurait eu l'ombre d'un nuage entre nous. Me pardonneras-tu jamais? Oh, ne dis pas une chose pareille. Tout cela, c'est le passé. Le passé, il n'y a que 5 heures. Des siècles. Crois-tu qu'il nous a découvert une piste? On le saura demain matin. Dès la première heure, j'irai rue Giofredo à la police. Alors, tu avoues? C'est toi qui as fait le coup? Non. Je te lâcherai pas, tu sais. C'est pas moi. Oui, mais tu sais quelque chose. Non. Tu veux dérouiller, je vois. Attends. Non, ne me faites pas de mal. C'est pas moi, j'ai rien fait. Et le pick-up et la Packard. Je t'ai entendu au bar. Alors? Moi, je vous dis que je sais rien. Oh, j'en peux plus. J'en ai assez. Moi aussi, j'en ai assez. T'as qu'à parler. J'ai soif. Merci. Ah non, 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 excuse. Celui-là, c'est pour moi. Mais j'ai soif. Tu boiras quand t'auras parlé. Elle est fraîche. C'est bon, la bière fraîche. Tu fumes? Oui. Eh bien, qu'est-ce que t'attends pour fumer? On m'a pris mes cigarettes. Pas gentil, mais on va te les rendre. Ah. Dès que tu auras parlé. Mais je ne sais rien, bon Dieu. Rien, même pas le nom des types qui ont fait le coup, je ne sais rien, rien. Des types? Il y en avait plusieurs? Je sais pas. Pourquoi tu dis des types? Je suppose. Bon, quoi, puisque tu persistes. Qu'est-ce que vous faites? J'enlève ma veste pour être plus à l'aise. Vous allez me frapper! Puisque tu veux pas parler, allez! Non, non! C'est pas moi, je dis rien! Allez, laisse-le, Charlie! Je ne veux pas de ça! Va te coucher! Il est fatigué, le pauvre gars, il faut le laisser dormir. Ah, dormir? Naturellement. Merci, commissaire. Tu voulais donner à boire? Pas souvent. Bonsoir. Bonsoir. Allez, tiens. Bois. Oh, merci. Tu peux y aller, c'est pas une blague. Merci. Une pipe? Oui. Merci, monsieur. Ça va mieux? Oui. Le copain Charlie, il a pas de patience. Ben aussi, mets-toi à sa place. Il devrait être au Pajot depuis minuit, nous voilà plus de 3 heures d'horloge. Il bute contre ta tête de cochon. Tiens, il faut bien avouer, tu as une tête de cochon. Oh.
Tu penses bien que si on t'a épinglé aussi vite, c'est qu'on a des preuves. Des preuves contre toi. Contre moi? Mais naturellement. Alors, qu'est-ce qui va trinquer et passer au tourniquet tout seul, comme un couillon, sans même avoir profité du coup? Ben, c'est ta pomme. Nous, on fait notre boulot, on essaye de te tirer là pour piquer les vrais coupables. À côté de ceux-là, tu n'es plus rien du tout, tu comptes plus. Si on tient compte du fait que grâce à toi, on a vu les autres, contre lesquels on n'a aucune preuve, ben, c'est passé à des félicitations, tu peux avoir droit. Je ne sais pas pourquoi je te pique tout seul, d'ailleurs. Allez, encore un coup de bière, hein? Oui, tu te sais fort bien. Oui, merci, monsieur le commissaire. Viens, je joue franc jeu avec toi. Les autres, ils étaient deux, je le sais. Exact? Oui. Toi, tu t'es occupé de repérer les lieux. Exact? Oui. Et de trouver une planque pour la garder. Oui. Exact? Bon. Tu vois comme c'est simple, hein? Je ne te demande que de compléter ce que nous savons. Ta part, là, celle dont tu parlais au bistrot, qui te permettrait de t'acheter une Paccard, tu l'aurais eu dès que Frick aurait appliqué, hein? Exact? Bah oui. Mais dans le coup lui-même, là, tu n'es pour rien. Non. Bon. Ben, tu vois comment on s'entend, tous les deux. Hein? Ah, ça va être fini, pour toi, parce que pour moi, il faut que j'aille à la planque. Où tu m'as dit quelle était déjà, cette planque? Là. Allons. Après, tu dors. T'es sorti de l'histoire. Où elle est, la petite? Mais quelle petite? Oh, tu fous pas de moi, hein? Ben, Martine. Mais je connais pas de Martine! La petite pastor, quoi! Vous avez enlevé, toi et tes copains! On parle pas de la même chose, inspecteur! Quoi? On n'a enlevé personne, nous! Mais alors, de quoi parles-tu, imbécile? De la bijouterie Robérol! Oh merde! Mais vous saviez pas? Mais non, je savais pas! Oh! Mais maintenant, je sais! Oh, je te jure que tu me le payeras cher, très cher! Tu seras salé, mon petit bonhomme, hein! Mais vous m'avez dit que... Ah, tu leur as indiqué le coup. T'as planqué les bijoux et tu n'as même pas enlevé la petite. Il y a 3 heures, tu nous casses les pieds. Allez, Charlie. Allez, emmène-moi ça coffre-là, hein. Il a avoué? Oui, mais autre chose. Ah, oh, j'en ai marre, je vais me coucher. À demain matin. Alors, où en es-tu? La surveillance continue autour de la villa, bien que je ne pense pas que le gars ait l'idée de venir s'y balader. Les parents ont tout à fait sonné, ils sont comme de fous. Ça se comprend, oui. Et la boniche? On l'a laissée libre. Elle n'a pas voulu quitter madame. Le cousin, nommé Loulou. Son alibi tient le coup. Mmh. Il a travaillé chez son patron très tard et est rentré dîner chez ses parents. Il attendait Catherine pour aller danser. Allô? Oui, c'est moi. Ah, au courrier. C'est bon? J'arrive. On y va. Hein? C'est Pasteur? Oui, madame. Oui, elle a reçu une lettre au courrier. Je m'y attendais. Là-dessus, on va peut-être pouvoir travailler. Vous croyez, commissaire, que cette lettre va nous donner une piste? Oh, je suis à bout, j'ai rêvé qu'elle était morte. Vous ne pensez pas à des choses pareilles? Je vous assure que nous ne perdons pas notre temps. Voyons, vous n'avez pas trop tripoté l'enveloppe, hein? Non, non, commissaire. Oui. Jaune, ordinaire. Et on en débite des milliers par jour aux prises uniques. Le timbre du bureau poste de Magnan. La lettre et l'adresse en lettres d'imprimerie découpées dans les 3 journaux de Nice. Espoir, Le Patriote, Nice Matin. Ils ne sont pas fous. Ils sont écrits nous, ils en ont plusieurs. Oui. Oui, à moins qu'il essaye de nous tromper. Voyons. Martine va bien. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Argent avec un S. Ils disent qu'elle va bien. Mais c'est probablement vrai. Vous croyez qu'ils enverront d'autres lettres? Logiquement, oui. À l'heure actuelle, l'enfant ne peut bouger. Elle est à l'abri. Dans les environs, si nos barrages ont joué, plus loin, si nous les avons dressés après son passage. Mais un complice est resté dans les environs. C'est celui-là qui doit négocier. C'est celui-là que nous devons passer. Oh, quelle que soit la somme qu'ils réclameront, je paierai. Mais bien sûr, mais avertissez-moi d'abord. C'est préférable. J'insiste. Naturellement, commissaire. Malgré tous les efforts de la police,
aucune piste sérieuse n'a pu être découverte dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Martine. Les parents de l'enfant nous prient d'annoncer que la prime de 500 000 francs n'est pas limitative, qu'elle sera versée à toutes les personnes apportant des renseignements susceptibles de faire avancer l'enquête, et que le nom de la personne, même complice, qui entrerait en rapport avec M. et Mme Pastor, ne sera pas divulgué. Tu vois, ils ont diffusé notre communiqué. Enfin, il n'est pas possible que personne n'ait rien vu, ne sache rien. Un complice devrait être tenté. Oh, il peut me demander n'importe quoi, je lui donnerai, personne ne le saura. Madame, madame. Quoi ? Une lettre, madame, une lettre comme la première. Donnez. Oh, Lily, je n'ai pas le courage. Vous avez 24 heures pour préparer 20 millions liquides. Vous recevrez des instructions pour les remettre en échange de Martine. Ne prévenez pas la police. 20 millions. Vous, Catherine, tenez votre langue. Madame va accepter. Oh, bien sûr. Où avez-vous trouvé la lettre ? Sur la pelouse. Oh, et ces agents qui surveillent. Il est facile en passant et sans attirer l'attention de lancer une enveloppe à travers la grille. De la cuisine, vous n'avez rien vu, Catherine ? Oh non, je l'aurais déjà dit à madame. Mais je n'ai pas été là tout le temps. C'est en faisant la chambre que de la fenêtre du premier. Allez finir la chambre. Oui, madame. Henri. Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Je préviens le commissaire. Attends. Quoi ? Raccroche, il faut que je te parle d'abord. Soit, qu'est-ce qu'il y a ? Henri, il ne faut pas prévenir la police. Tu es folle ? Non. Mais enfin... Non ! Si nous prévenons les inspecteurs, ils vont essayer de tendre un piège. Mais c'est cela que tu veux, non ? Non, enfin... Oh, si j'étais sûre que ça réussisse naturellement. Mais s'ils échouent, les autres se vengeront sur la petite. Mais la police a des moyens puissants. Oh, je sais. Mais je ne veux pas que Martine risque... Ah, oh, ce serait trop affreux. Le commissaire nous a pourtant bien recommandé. Oh, rappelle-toi les affaires d'enlèvement où les parents ont tout dit à la police. Cela n'a jamais rien donné. Les malfaiteurs ont une espèce de correction à leur manière. S'ils constatent notre loyauté, peut-être qu'ils se croiront obligés. Oh, et puis enfin, c'est notre seule chance. Ce n'est pas mon avis. Mais si tu as bien réfléchi... Oh, j'ai pensé à cela toutes ces deux horribles nuits. À ce qu'il faudrait faire quand la lettre arriverait. Oh, je t'en supplie, Henri, ne préviens pas Gabrielle. Ma pauvre Marthe, moi-même, à certains moments, je ne sais plus que penser, que décider. Et puis, la fortune est à toi. Tu as le droit d'en disposer. Oh, elle serait à toi, je raisonnerais de la même façon. Oh, crois-moi, notre seule chance de sauver Martine est d'essayer de traiter directement avec eux et qu'aucune indiscrétion ne soit commise. Et Catherine est au courant ? Oh, elle ne sortira plus d'ici avant que nous ayons fait cette tentative. 20 millions, c'est exorbitant. Pour Martine ? Non, enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. D'abord, tu ne les as pas. Si. C'est à peu près tout ce qui doit se trouver à mon compte à Marseille. Là, je t'admire. Moi, depuis 24 heures, depuis cette nuit atroce, je n'arrive pas à mettre deux idées ensemble. Oh, tu m'as toujours reproché d'être une femme de tête. Il faut bien que ça serve pour une fois à quelque chose. Tu as un plan ? Oui. Je vais te donner un chèque de 20 millions. Avec la Bugatti, tu peux être à Marseille pour déjeuner. À l'ouverture de la banque, tu prends l'argent et tu es de retour avant... Attends, je... Prends le téléphone ! Allô ? Oui, commissaire. Un instant, je vous prie, je ferme la fenêtre. C'est Gabrielle. Attends. Oh, surtout, ne dis rien. Allô ? Oui, voilà. Comme... Une lettre ? Ah non, non, nous n'avons rien reçu depuis celle que vous connaissez. Oui ? Bon. Oui, entendu. Entendu, au revoir, commissaire. Et il s'étonne que nous n'ayons rien su. Tu es sûr qu'il ne vaudrait pas mieux... Ah non. C'est décidé maintenant. À demain, nous enverrons les instructions. Tu iras. Moi ? Mais oui, bien sûr. Tu iras seul, sans prévenir personne. Moi seule serai au courant. Oh, et que Dieu nous aide. Oh, maintenant, tu vas partir pour Marseille. La Bugatti est au garage. Oui. Arrange-toi pour parler à l'inspecteur qui assure la surveillance. Dis-lui que tu vas faire revoir la voiture parce que nous avons l'intention de partir dès que... En fait, dès que ce sera fini. Tu es formidable. Tu as pensé à tout, ma pauvre Marthe. Embrasse-moi avant de partir. J'ai si peur, au fond. Écoute, veux-tu que je fasse un saut en voiture et que j'aille chercher la vieille Rosa, hein ? Je la ramènerai et elle te tiendra compagnie. Ah non. Tu sais, ce n'est qu'à 6 kilomètres. Oh, oui, je sais, mais elle est un peu gâteuse maintenant et sous prétexte qu'elle m'a élevée, elle me parlera de Martine. Oh, j'y pense déjà assez. Non, je préfère rester seule. Et puis j'ai Catherine. Viens. Comme tu voudras. Non, c'était pas possible. J'ai interrogé les voisins, le facteur. Absolument rien de suspect. Et la bonne ? Elle n'est pas sortie. Puis j'ai pas voulu avoir l'air oui, de... Oui, tu as eu raison. Mais je ne peux pas croire que les pasteurs n'aient pas reçu un second message. Enfin, du moment qu'il y en a eu un premier, c'est que les types ont l'intention d'obtenir une rançon. Alors, qu'est-ce qu'ils attendraient pour la demander ? Plus le temps passe, plus ils prennent de risques. Oui, à moins que la petite ait eu un accident. Oh, ceux qui ont fait ça n'étaient ni pressés ni maladroits.
Les accidents arrivent à ceux qui se bousculent. Et malheureusement aussi aux autres. Quand ils ont touché la rançon et qu'ils n'ont plus besoin de la gosse... Oh, tais-toi. Allô? Oui, j'attends. Allô? Allô, oui, c'est toi, Henri? Oui. Ah, tu es arrivé trop tard? 5:30. Oui, la banque était fermée. Oh, de toute façon, tu n'aurais pas eu le temps. Oui. Oui, déjeune et tu y retourneras à 14:00. Merci d'avoir téléphoné. Non. Non, rien de neuf. Non, le commissaire ne s'est pas manifesté. Oh, je suis seule ici à tourner en rond, c'est épouvantable. Je deviens folle. Oh, je voudrais être à demain. Quoi? Non, elle n'a pas bougé, elle n'a parlé à personne. Elle est à la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur l'inspecteur, vous m'avez fait peur. Oh, il n'y a pas de quoi, mademoiselle Catherine. Mais pourquoi n'avez-vous pas sonné à la porte? Pour ne pas déranger. Je voudrais seulement un verre d'eau. Il fait un peu soif au soleil. Oh, bien sûr. Vous ne voulez pas de la bière? Il y en a de la fraîche. C'est pas de refus. Mais entrez donc. Non, 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 je ne dois pas quitter la rue. Passez-le-moi par la fenêtre. Vous devez rester là, c'est tout. Oui. C'est pas un métier bien fatigant. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Bien sûr. Ah, elle est bonne, votre bière. Il y en a toujours une bouteille au frigidaire pour monsieur. Mais aujourd'hui, j'ai le temps d'en mettre une autre. Il ne rentrera pas avant ce soir? Non. La lettre de ce matin, c'est vous qui l'avez trouvée? Quelle lettre? Eh bien, la demande de rançon. Comment? Vous savez ça? Ben, c'est monsieur Pastor qui nous l'a téléphoné. Ah, bon? Oui, mais s'il vous a recommandé de ne pas en parler, hein, j'ai rien dit. Ah, merci pour votre bière et au revoir, mademoiselle Catherine. Au revoir. Et si vous avez encore soif, ne vous gênez pas. Et peut-être bien que j'aurai encore besoin de boire. À votre service, inspecteur. Merci. Mademoiselle, ici le 520-50. J'attendais une communication de Marseille. Oui, vers 14h30 ou 15h. Mais c'était très important. Oui, je n'ai rien reçu. Oui, est-ce que... Ah oui, bien sûr. Maintenant, les communications sont directes. Oui, vous n'avez pas le moyen de me renseigner. Bon. Merci, mademoiselle. Allô, les renseignements? Je voudrais le numéro de monsieur Roustan, Charles Roustan, directeur de la banque de crédit. Il habite boulevard du Prado, mais je ne sais pas le numéro. Bien, j'attends. Comment? Vous me le passez directement? Oh oui, oui, c'est cela, je vous remercie, mademoiselle. Oh, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Allô, oui, je suis chez monsieur... Ah, oh, c'est vous, monsieur Roustan. Oh, excusez-moi de vous déranger chez vous. Ah oui, vous avez appris. Ah, oh, c'est une chose affreuse. Nous passons des heures. Excusez-moi. Oui, il faut que je sois courageuse. Ah, le caissier vous a avisé de sa visite. Ah, il était déjà parti. Oh, vous savez, il est tellement frappé, il n'a sûrement voulu parler à personne. Excusez-le. Mais c'est justement ce que je voulais savoir. Non. Non, il n'est pas encore de retour. Merci. Au revoir, monsieur Houston. Oh, je deviendrai folle. Catherine! Madame, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, rien. Oh, rien, c'est rien. J'ai eu peur tout d'un coup, c'est stupide. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? T'es sur la haute serviette. Eh bien, apportez votre ouvrage ici. Vous resterez avec moi jusqu'à ce que monsieur rentre, s'il vous plaît. Mais oui, madame. Merci, Catherine. Madame n'a pas à avoir peur. Il y a toujours un inspecteur qui veille. Il va rester toute la nuit? Sûrement, il me l'a dit. Ah. Je vous assure, madame, c'est plutôt rassurant. Oui, bien sûr. Mais monsieur ne rentre toujours pas. Non.
madame. Je m'étais endormie. Oh, allez voir si cet inspecteur surveille toujours la villa. Oui, madame. Et dites-lui que je veux parler tout de suite au commissaire Gabrielli. Vous entendez tout de suite. Il faut qu'il vienne tout de suite. Bien, madame. Commissaire, il est arrivé quelque chose à mon mari. Quelque chose? Oui, un accident. Comment le savez-vous? Oui, il a été obligé d'aller à Marseille pour ses affaires. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Parce que ça n'avait aucun intérêt. Bah, la preuve. Mais il aurait dû être rentré pour 17h, 18h au plus. Il est maintenant 23h. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé plus tôt? Mais je pensais toujours qu'il allait revenir. Mais tout à l'heure, j'étais prise d'une terreur après ce qui est arrivé. Oh, commissaire, j'ai peur. Il y a quelqu'un qui nous hait. Après ma fille, c'est mon mari qu'ils ont pris. Oh, calmez-vous, madame. Nous allons nous en occuper. Mais vous n'arriverez à rien, pas plus que pour Martine. La police est incapable de rien trouver. Ils sont bien plus forts que vous. Oh, Martine, ma petite Martine, 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 allô? Allô, ici Gabrielli. Bon, écoute. Monsieur Pastor est allé à Marseille. Oui, attends. À quelle heure votre mari est-il parti? À 9h. Il est parti à 9h ce matin. Vous avez dit ses nouvelles depuis? Oui, il m'a téléphoné en arrivant à midi. Bon, il est arrivé à midi. Et puis? Plus rien. Depuis, aucune nouvelle. Renseigne-toi à Marseille et sur tout le parcours. Le numéro de la voiture? 2904 BA13. Bon, Bugatti, 2904 BA13. Oui, je reste chez les Pastors jusqu'à ton coup de fil. Qu'on se renseigne aussi à Marseille sur cette voiture. Bon, d'accord. Madame. Oui. Pourquoi votre mari a-t-il voulu cacher qu'il allait à Marseille? Mais il ne l'a pas caché! Si! Il a expliqué à l'inspecteur de garde qu'il conduisait sa voiture au garage. Mais c'est probablement ce qu'il a fait! Mais non, même pas! Il est parti directement, sans passer par le garage. Pourquoi? Mais je ne sais rien! Bah, vous saviez qu'il allait à Marseille? Mais oui, naturellement! Et où allait-il à Marseille? Mais à l'usine, je suppose! Et cela lui arrive souvent d'aller à l'usine lorsque vous êtes en vacances? Oui! Même lorsque l'usine est fermée, comme en ce moment? Vous savez cela? Je crois que vous en pensez et nous savons beaucoup de choses. Par exemple, que vous avez reçu ce matin une lettre demandant une rançon. Quoi? Eh oui. Vous voyez que nous sommes renseignés. Mais qui vous a dit cela? Mais peu importe, je vais voir cette lettre. C'est faux! Non, madame. Vous m'interrogez comme une coupable, mais il y a ma fille, mon mari en danger! Vous voulez que nous les retrouvions et vous nous cachez une information essentielle. C'est ridicule et dangereux. Vous avez eu la lettre d'hier et vous n'en avez rien fait. Qu'en savez-vous? Je n'ai pas de lettre! Votre mari l'a emportée? Oui. Montrez-moi cette lettre. Elle fixait le chiffre de la rançon, n'est-ce pas? Ben, madame, répondez-moi. S'il est arrivé quelque chose à votre mari, c'est probablement à cause de cette lettre. Alors, madame, ne me forcez pas à fouiller la maison. Vous n'en avez pas le droit! Vous essayez de m'impressionner! Voici un mandat de perquisition apporté à toutes fins utiles. Que disait cette lettre? Elle réclamait combien? Une somme que vous n'avez pas ici. C'est pour cela que votre mari a été à Marseille. À l'usine? Ou à sa banque? Oh, laissez-moi! Mais... Ben, on a pu le suivre. Mais qui? Ben, celui ou ceux qui lui ont envoyé la lettre. Ils ont attendu qu'il ait l'argent sur lui. Comme cela, ils ne couraient aucun risque. Aucun de ceux qu'ils auraient couru, si vous aviez avisé la police, des dispositions prises pour le règlement. Ah, vous êtes bien coupable, madame. Si j'avais été prévenu, votre mari ne serait pas parti sans surveillance à Marseille, et à l'heure actuelle, les ravisseurs de votre fillette seraient probablement en notre pouvoir. Oh, mais je ne pouvais pas penser... Mais justement, nous sommes là pour ça. Combien vous réclamait-on? 20 millions. Big. Et vous avez une pareille somme disponible? À la banque, oui. Quand votre mari vous a téléphoné, il avait l'argent? Non, il est arrivé après la fermeture, mais il y est retourné au début de l'après-midi. Il vous a retéléphoné? Non, non, mais j'ai retéléphoné ce soir, voyant qu'il ne rentrait pas au directeur de la banque que nous connaissons personnellement. Il avait vu votre mari? Non. Quelqu'un n'a pas pu se faire passer pour lui? Non? Mais non, tout le monde le connaît à la banque. Donc, entre 14 et 15 heures, M. Pastor a prélevé 20 millions à sa banque. Là, nous perdons sa trace. Pensez à ce que nous aurions pu faire de 15 heures à maintenant... Si nous avions reçu cela, vous rendez-vous compte de votre imprudence? Oui. Maintenant, montrez-moi cette lettre. S'il y a le moindre indice à y trouver, au moins... Elle est identique à la première. Tenez, la voici. Allô? 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 Quoi? Oh, c'est pour vous, commissaire. Donnez. Allô? Oui? Bon. À quel endroit? Et lui? Bonsoir. Merci. Qu'est-ce que c'est? On a retrouvé la voiture de votre mari. Où? Sur la Canebière. Et lui?
Lui, non, mais les recherches continuent. Oh, vous aviez raison, ils l'ont suivi et enlevé. En plein jour, en pleine ville, un homme de sa force. Mais s'ils l'ont abordé en lui faisant miroiter qu'il allait revoir sa fille. Il est courageux, il les a accompagnés de sa propre volonté. Mais... oh, c'est terrible. Ils les ont tués tous les deux. Sans cela, Henri m'aurait donné des nouvelles. Non, ne vous affolez pas, nous ne tarderons pas à savoir. Je vais rentrer à mon bureau. Oh non! Mais si, il vaut mieux que je sois là-bas s'il y a des ordres à donner. Il est probable que la piste reviendra par ici. J'ai toujours pensé que l'enfant n'a pas quitté la région. Mais Henri... ils ont dû le mettre dans l'impossibilité de communiquer avec qui que ce soit. Le temps de se mettre, eux, à l'abri. Pourvu que vous ayez raison. Alors, courage, madame. Nous touchons au bout de votre calvaire. Vous me tiendrez au courant, oui, je vous téléphonerai les nouvelles au fur et à mesure que je les recevrai. Merci. Oh, je n'en peux plus. C'est un cauchemar. Mais vous devriez essayer de vous reposer. Mais dans l'état où je suis... Il y a deux jours que vous n'avez pas dormi. Laissez-vous aller, la nature fera le reste. Oh non, non, je veux être là si vous téléphonez. Le téléphone vous réveillera. Et je vous en prie, cette fois, c'est sérieux. Hein. S'il arrive la moindre chose, appelez-moi. Oui. Tout de suite. Oui, je vous le promets. Qu'est-ce que c'est, Catherine? Un télégramme, madame. Oh, donnez vite. Va chez Rosa, Henri. C'est le monsieur? Oui, je comprends pas. C'est de la vieille Rosa que monsieur parle? Oui, sûrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Probablement, je suis en danger. Il m'avait dit pour que je quitte la villa. Préparez-moi vite une valise, je téléphone au commissaire. Bien, madame. Oui. Ah, madame Pastor. Un télégramme de votre mari. Hein? Ah. Ah oui, vous avez raison. Et où habite-t-elle, cette Rosa? À Saint-Pierre-de-Féric. Bon. Ne bougez pas. Je serai chez vous dans 10 minutes. Appelez l'inspecteur de surveillance et dites-lui qu'il ne vous quitte pas jusqu'à ce que j'arrive. J'irai avec vous là-bas. Comment? Oui. Oui, j'ai un recoupement bizarre. Non, non, ne perdons pas de temps, je vous expliquerai. C'est impossible ce que vous me dites, commissaire. Monsieur Pastor a pris l'avion de la Sabena pour Bruxelles hier à 17h à Marignane, madame. Mais vous êtes sûr que c'est lui? Sûr. Ils l'ont enlevé. Il n'est pas parti seul. J'attends le rapport de l'hôtesse de l'air qui rentre à Marignane ce matin. Pour le moment, je n'ai que le nom des passagers. Et cela, évidemment, ne peut rien me dire, sauf s'il y avait eu parmi eux un individu connu de la police, ce qui n'est pas le cas. Donnez-moi le télégramme. Il est là. Marseille, différé. Vous voyez, il m'a prévenu tout de suite. Il sentait un danger. Oui, peut-être. Va chez Rosa, Henri. Qui est-ce, votre Rosa? Ma nourrice. Elle est très vieille et très solitaire. Elle descend tout de même quelquefois au village. Peut-être une ou deux fois par mois. Elle vit du lait de sa chèvre, de quelques légumes et de fruits de son jardin. Pour le reste, je lui fais une petite rente. Attendez-moi ici. Charlie, reste avec madame. D'accord. Mais pourquoi ce revolver? On ne sait jamais qui on peut trouver derrière une porte. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous, Rosa? Oui? Il n'y a personne chez vous? Non. Oh, c'est madame! Rosa. Vous venez chercher la petite? Martine? Tu as Martine? Elle est ici? Elle dort. Oh! Oh, ils me l'ont rendu, mon Dieu, mais je peux pas le croire, c'est pas vrai. Venez sans faire de bruit, elle est dans la chambre. Non, restez là, Rosa, non. Allez, madame. Oh, Martine, ma petite... Mais que fait cet enfant chez vous? Mais c'est monsieur qui me l'a amené. Quand? Avant-hier soir. À quelle heure?
vers 8h30. Du soir? Quelle raison vous a-t-il donnée? Il m'a dit qu'elle venait d'être malade, qu'il fallait bien la soigner, la garder 3 jours à la chambre sans qu'elle sorte, que madame était fatiguée, que je ne devais pas la quitter. Vous n'avez pas la radio? Oh non. Et vous ne voyez personne? Non, pas bien souvent. Oh, commissaire, je suis heureuse, elle est là, elle dort comme un ange. Bon, asseyez-vous, madame Pastor, et écoutez-moi. Maintenant, le danger est passé. Mais mon mari... C'est lui qui a amené sa fille ici. Il est reparti? Oui, il l'a amené le soir de l'enlèvement. Mais qu'est-ce que vous dites? La vérité. C'est pas possible. Si, c'est lui qui l'a enlevé. Mais pourquoi? Pourquoi? Il avait besoin d'argent. Oui, mais... C'est vous qui aviez la fortune. Oui, lui n'était que directeur des usines que m'a laissé mon père. Vous ne m'aviez pas dit cela. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Oui, bien sûr. Et moi qui n'ai pas eu l'idée de vous le demander. Il jouait. Oui. Oui, vous avez été obligé de lui refuser de l'argent. Oui, il avait fait déjà pas mal de bêtises. Et je craignais pour l'avenir de Martine. Oh, mais c'est monstrueux. Il a pu faire ça. Oui, madame. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Que voulez-vous que je fasse? Rien. Mais enfin, pourtant... Il y aurait bien l'outrage au magistrat pour nous avoir fait marcher. Mais ce n'est pas avec cela qu'on le fera extrader. Si on le pinçait jamais, car de Bruxelles, il a déjà dû filer vers le mairie. Mais il m'a volé 20 millions. On ne vole pas sa propre femme, madame. Du moins, d'après le code. Oh. D'autant que vous avez dû lui donner un chèque. Hein? Oui. De votre propre volonté. Oui. Et il est même probable que vous l'avez forcé à le prendre. Lui ne voulait pas que vous payiez. Il voulait me prévenir. Comment le savez-vous? C'est logique. Ça cadre avec son scénario, ça. Mais Martine... Il a conduit son enfant chez votre nourrice en recommandant qu'on la soigne bien. Il n'y a là aucun crime. Aucun crime. Alors, c'est fini, patron? Oui. Et le gars a gagné 20 briques? Oui. Eh ben... Et si je le trouvais, ben je ne sais pas si je lui ficherais une raclée ou si je l'embrasserais. Quoi? Eh oui. Cette gosse m'a empêché de dormir, alors de savoir qu'elle n'a pas eu de mal. Parce que les gosses, c'est tout de même fait pour être vivants. Kidnapping, nouvelle radiophonique d'Yvan Noé, avait pour interprète Jacqueline Rivière dans le rôle de Marthe Pastor, Jean-Claude Michel dans le rôle d'Henri Pastor, avec Gabriel Fontan, Gaëtan Jor, Gilbert Hédard, Yves Duchâteau, Jean Mauvais, Guy Decomble et François Vibert de la Comédie Française dans le rôle du commissaire Gabriel Lee. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet. Thank you.